Développement des télécommunications et fractures numériques, liberté d'informer et propriété intellectuelle, les sujets qui seront abordés lors du second sommet mondial sur la société de l'information en novembre prochain à Tunis sont aussi vastes qu'ambitieux. En janvier 2005, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, l'Organisation mondiale contre la torture et droit et démocratie ont mené une mission d'enquête pour évaluer l'opportunité d'organiser un tel événement en Tunisie. Cette mission a fait l'objet d'un rapport présenté en mai dernier lors d'une conférence de presse organisée à la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Déborah Orlet, spécialiste en développement des communications et co-auteur du rapport, nous précise les objectifs de la mission. Nous avions deux questions. La question d'abord, c'était la compétence d'avoir cette réunion, ce sommet sur la société de l'information ici en Tunis, les conditions pour le sommet, surtout la participation de la société civile. La deuxième question était la situation de la société de l'information ici dans le pays de la Tunisie à l'égard des droits humains. Mais si les organisations ont obtenu quelques réponses à ces questions, celles-ci sont loin de satisfaire leurs attentes. L'ensemble des autorités que nous avons rencontrées semble simplement vouloir justifier les violations qui existent. À aucun moment jusqu'à présent, nous n'avons malheureusement pu constater un engagement à avancer. Et parmi ces blocages constatés en Tunisie, figure la répression permanente à l'encontre des militants de la société civile. Est-ce une avancée que de pouvoir faire dans ce local que nous payons très cher, vous le savez, vous avez peut-être tous contribué à ce que nous y soyons? Est-ce une avancée? On nous empêche de faire nos activités. Et vous pouvez constater, autour de ce siège, le nombre de policiers. Quand ils ne contrôlent pas à l'extérieur, le régime sait ne pas se faire oublier à l'intérieur, par l'intermédiaire de journalistes parfois un peu trop zélés. Il ne faut pas oublier que la Tunisie, contrairement à plusieurs autres pays, il n'y a aucun journaliste en prison, il n'y a aucun journal qui a été... Et comment vérifier de telles affirmations alors que les investigations des ONG internationales ne peuvent se faire dans des conditions normales? La dernière fois où je suis venu, c'était en 1996, nous avons été refoulés. On a permis finalement que je sois ici en Tunisie. Si je le suis parce que le gouvernement veut aller dans le sens alors d'une politique qui est conforme à ses engagements internationaux, nous pouvons dire que cela serait une bonne chose. Si c'est uniquement dans l'esprit tout simplement de mener une politique de l'œuvre, il faut dénoncer ce fait-là. Ce harcèlement policier et judiciaire à l'encontre de ceux qui osent critiquer le pouvoir est malheureusement une pratique courante en Tunisie. En avril 2005, Maître Abou a ainsi été condamné à 3 ans et demi d'emprisonnement, en partie pour avoir comparé les prisons tunisiennes à celles d'Abou Ghraib en Irak. Une peine qui sera confirmée en appel un mois plus tard. Pour Radia Nasraoui, cet acharnement des autorités à l'encontre des avocats s'explique par la menace qu'ils représentent pour le pouvoir. C'est normal chez nous que les avocats soient la cible, puisque c'est eux qui défendent les opposants. C'est eux qui défendent les libertés. Et c'est l'un des corps qui, malgré toute la répression, est resté debout. Nous sommes tous déterminés à continuer notre combat. Au moment où sont tournées ces images, cela fait maintenant près d'un mois que les avocats de Tunis ont organisé un sit-in et transformé la maison du barreau en camp retranché. La presse est également l'un des secteurs qui paie au prix fort sa position stratégique dans la société tunisienne de l'information. Orwell aurait pu s'inspirer du panorama actuel de la presse tunisienne, où l'autocensure est omniprésente. Lotfi Hadji, correspondant d'Al Jazeera à Tunis et président du syndicat des journalistes tunisiens, a été convoqué à plusieurs reprises par la police en mai 2005. Le chef de section de police n'a pas voulu dire quelle est la nature de cette convocation. Et je pense qu'elle a une liaison avec ce qu'on vient de publier sur le rapport qu'on vient de publier sur l'état de la liberté de presse en Tunisie. Les conclusions, rapidement, c'était que la majorité des hommes des journalistes sont privés de leurs propres droits qui ont été offerts par la loi et que les journalistes ne peuvent plus faire leur travail dans les normes professionnelles et déontologiques à cause de la censure quotidienne dans les institutions de presse, de la presse tunisienne.
Mais le pays ne peut plus vivre replié sur lui-même. Partout, les Tunisiens s'équipent de paraboles et accèdent ainsi largement aux informations provenant de l'extérieur. Face à cette nouvelle situation, les autorités tunisiennes ont finalement augmenté les fréquences autorisées. Cette ouverture du paysage audiovisuel reste donc encore à faire afin de garantir le pluralisme audiovisuel et un pluralisme critique tel qu'il existe dans un état de droit où la liberté d'expression est garantie. Au-delà, le paysage médiatique tunisien reflète un manque flagrant de pluralisme. Qui dit nouvelle technologie dit également nouvelle technique de censure, interdiction de sites internet, contrôle des courriers électroniques. La Tunisie est aujourd'hui passée maître dans ce qu'on appelle désormais la cyber-répression. Le critère du contrôle et de la censure est en fait très important pour expliquer un développement en Tunisie qui n'est pas ce qu'il devrait être en matière de société de l'information. Les autorités tunisiennes, en général, répondent en montrant les bons résultats de la Tunisie en termes d'infrastructure et du taux de pénétration d'Internet dans le grand public. Mais ce qui est important, c'est de comparer ces chiffres officiels avec quelques études quantitatives dont on dispose, malheureusement trop peu, sur les taux d'usage réel. Les investisseurs étrangers, tout comme les foyers privés, n'utilisent pas Internet comme elles le pourraient. Cette utilisation est bloquée par le manque de confiance dans l'instrument. Aujourd'hui, il y a un enjeu pour la Tunisie. En débloquant le contrôle, en débloquant les tracasseries administratives autour de l'usage de l'Internet, elle pourrait promouvoir son développement dans ce secteur. Le contrôle sur Internet peut néanmoins aller bien plus loin que de simples tracasseries administratives. En 2003, 7 jeunes de la région de Zarzis ont été interpellés et initialement condamnés à 19 ans et 3 mois de prison, officiellement pour avoir surfé sur des sites islamistes interdits. Leurs familles ne cessent de s'activer pour demander leur libération. C'était un samedi à 11h du soir, deux policiers... sont venus chez nous à la maison, ils me disaient qu'on a besoin de votre père pour juste une heure. Et de 7h jusqu'à maintenant, ils ne plus revenus chez nous. Ils ne parlent pas beaucoup parce qu'il y a toujours, à chaque fois qu'on fait la visite, on a des policiers qui sont avec nous. Le premier jour, lorsque je suis allé annoncer le verdict de 19 ans, 3 mois, et il a beaucoup ri. Il a dit, je le sais papa. Et il a dit, tu sais qu'est-ce que j'ai dit au juge? Merci monsieur le juge. Moi, je croyais que vous allez le condamner à mort. Il y a tout le temps les policiers qui viennent, c'est ce qu'on appelle la police politique. Ils débarquent à la maison et sous prétexte de demander des nouvelles. Mais, écoute, un policier qui a kidnappé mon fils et il demande de bien me dire comment il parle, ça c'est vraiment comique. Deux agents civils sont présentés. En demandant auprès de lui, je dis pourquoi, il dit juste pour l'interroger, puis on va vous lâcher. Avant de passer au procès, je préfère mieux parler des tortures. Là où ils étaient tabassés, j'ai mon enfant qui souffre encore de son genou gauche. Et il a peut-être reçu un coup sur le cartilage, quelque chose comme ça. Alors ça lui fait mal à le plier, puis il claque chaque fois qu'il essaie de la plier. Le procès était injuste. C'était injuste, on dirait qu'elle était dictée par quelqu'un d'autre et que le juge n'a qu'à délibérer comme ça. En accueillant le second sommet mondial sur la société de l'information, la Tunisie prend le risque d'attirer sur elle l'attention des médias du monde entier. Faut-il cautionner alors ce qui apparaît comme une opération de communication du régime tunisien ? Ben Ali a dit que le futur, l'avenir est dans les sociétés, dans les technologies de communication et information. Si on veut avoir une société de l'information, si on va avoir une économie de savoir, il faut que les gens ont de l'information. Il faut que les gens savent quelque chose. Aujourd'hui, le Tunisie a fait quelques progrès, mais au point, on veut prendre la prochaine étape. Mais on était au point avec ces politiques sociales et ces répressions de dommager l'avenir de la Tunisie.